Sortir pour promener ses enfants ou pour faire du sport, ça doit être dans un rayon de 1 km de chez soi, au maximum pour une heure, et évidemment tout seul et une fois par jour. Le coût social et économique colossal du confinement qui devrait normalement être levé le 11 mai prochain. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je te donne 5 conseils pour reprendre au mieux la course à pied après cette période de confinement où le volume d'entraînement a normalement bien baissé. Attention, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne connais pas tous les détails du déconfinement et de quelle manière va-t-il se passer. En tout cas, bonjour à toi sportif et bienvenue sur la chaîne Au cœur du trail. Déjà, peut-être que cette période a été bénéfique pour certains. Peut-être se sont-ils assagis en diminuant le volume de course à pied et en augmentant celui de l'entraînement croisé, avec par exemple le vélo sur home trainer ou le renforcement musculaire qui, je l'espère, un jour payera. Car oui, c'est un fait, nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne et il est vrai que certains ont peut-être pu s'entraîner plus que d'autres. L'espace pour courir n'est pas le même, certains ont un jardin alors que d'autres habitent en ville en appartement. Lui un home trainer, moi non, etc. Et c'est pour cela que je vais essayer d'être le plus neutre possible afin que la vidéo s'adresse au plus grand nombre. Alors c'est parti pour ces 5 conseils. Et oui, et ça tout le monde te le dira, la reprise devra se faire de manière progressive. Moi aussi j'ai envie d'y aller fort et de repartir sur une première séance de 50 km parce que tout ça, ça m'a vraiment manqué. Et non! Je vais reprendre doucement, à mon niveau, et redécouvrir lentement, mais avec beaucoup de bonheur, tout ce qui me fait vibrer dans le trail. Prenons le temps de déguster tout ce que nous offre cette discipline. J'en bave déjà. Alors attention, je le sais, tous nos objectifs de course sont tombés à l'eau. J'entends surtout par là se fixer comme objectif une distance, un chrono, peut-être un défi. Il est évidemment important pour certaines personnes de se fixer des objectifs à atteindre. Il permettra de reprendre du plaisir à aller s'entraîner et donc de se motiver. Tu peux aussi te dire que tu vas faire des efforts sur la nutrition. Tu peux aussi penser à faire plus de gainage ou à revoir l'importance de l'échauffement et même de l'étirement. Il faudra te focus sur une à deux volontés à respecter et avoir un objectif en visée pour y arriver. À mon sens, vu que normalement la reprise des courses se fera en septembre, normalement, mais bon, j'y crois pas du tout, tu peux reprendre ton plan d'entraînement de zéro. Plan d'entraînement qui se fera bien évidemment en fonction de ton objectif et qui commencera doucement avec ta forme du moment jusqu'à retrouver un rythme et un volume d'entraînement normal. Tu peux aussi très bien dans ton entraînement rallonger la période de préparation générale afin qu'elle puisse coller à tes objectifs. De mon côté, je n'ai pas de plan d'entraînement parce que j'ai pas d'objectif sur mes courses, si ce n'est celui de me faire plaisir. Pourquoi croiser son entraînement? Pour ne pas abuser d'une seule discipline et aller trop rapidement à la blessure. Je ne sais pas quand est-ce que vont réouvrir les piscines ni les salles de sport, mais profites-en pour croiser avec du vélo de route ou du VTT, de la randonnée, qui sont des disciplines très complémentaires à la course à pied. Toutes ces pratiques vont te permettre de solliciter ton corps différemment, le temps d'augmenter considérablement ton volume d'entraînement uniquement en course à pied. Le corps va avoir grand besoin de se réadapter à toutes ces variations de terrain, terrain vallonné et sol accidenté. Et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé des séances de renforcement musculaire pendant toute la durée du confinement. Grâce à ça, tu pars déjà sur de bonnes bases solides pour ne pas aller trop rapidement à la blessure. En fait, c'est tout simple, on est resté confiné pendant 2 mois. Alors en respectant toutes les mesures d'hygiène, on va aller se faire plaisir. On va faire du bien à notre esprit et à notre corps. En préservant sa santé physique et mentale, on contribue à chasser la morosité, l'ennui, la fatigue, la maladie. On accroît la confiance en soi, on se sent plus fort, on déborde d'énergie que l'on sème à tout vent. On partage notre joie de vivre. On se sent vivant. Alors, cours avec ton cœur.